l'heure de la nuit, c'est rare quand même. On sait jamais, hein. Ouais. Hop. Ah cool, là, ça part, là. Ça nous consacre du temps à leur activité sportive. Loisirs pour les uns, compétition pour les autres. Le but restant le même, s'épanouir dans son corps et dans son esprit. Ouais, c'est peut-être parce que les durs labeurs d'autrefois ont disparu que l'homme retrouve dans la pratique sportive ce besoin de renouer avec l'effort. Repousser ses limites, encore et toujours, et ceci dans le respect des règles de sa propre discipline. Telle est la devise du sportif. Aujourd'hui, le sport a le pouvoir de rassembler les hommes et les femmes en dehors de tout clivage, jouant ainsi un rôle majeur dans le lien social. Le sport fédère les énergies de tous, bénévoles des associations, dirigeants de clubs, acteurs de la vie locale, rendant ainsi la cité formidablement vivante, à l'image de ce que fut cette 16e édition des Jeux de Seine-et-Marne. C'est mieux quand il y a de la musique quand même, hein, vu que quelqu'un parle. Ça fait chier aujourd'hui, hein. Et plus simplement d'un goût incroyable pour le sport. Niché dans sa vallée, si propice aux maraîchers d'autrefois, la ville d'Avron est fière d'avoir accueilli ses milliers de sportifs. À l'image du dynamisme des associations sportives locales, les participants ont présenté avec beaucoup de générosité leur sport dans la bonne humeur et toujours avec passion.
nature. Finalement, le sport est une grande famille où il règne une diversité riche qui permet à chacun d'y trouver.
transmettre des valeurs formidables. Nous en avons été les témoins. À vous tous, passionnés de sport, pratiquants occasionnels, férus de votre pratique sportive, vous avez fait preuve de ressources incroyables. Et une fois de plus, vous avez été les garants de la réussite de ces 16e Jeux de Seine-et-Marne.